Donc bonjour à tous les amis et bienvenue dans Seven Black. J'espère que vous m'entendez parce qu'en fait je me suis rendu compte que avant de commencer la vidéo que j'avais oublié d'allumer le micro. Voilà la station, du coup je parlais dans le vent. Bon, ça va parce que j'ai dit que deux mots, j'ai dit bonjour et après j'ai tilté. Donc comme vous pouvez le deviner en haut à gauche, vous avez le nom du jeu, donc pas besoin que je dise sur quoi on est. Donc en tout cas, il s'agit de Life is Strange Before the Storm, donc avant la tempête. Pour ceux qui ont suivi le 1, qui ont regardé sur ma chaîne ou pas, d'ailleurs, sachant que j'ai fait 18 vidéos et que YouTube m'en a strike une, je crois que c'est l'épisode 4, donc bah faut le sauter quoi. Mais sinon j'ai fait 18 vidéos et j'avais commencé le Life is Strange 1 en let's play en mars 2016, j'ai regardé hier, et je l'ai terminé en juin 2017, donc je l'ai terminé 2 mois avant que Before the Storm sorte, et je devais l'acheter juste après en fait, pour faire la suite, et enfin, pour faire celui-là après, mais celui-là se passe avant le 1, du coup c'est... Mais je devais le faire juste après, et du coup bah, je l'ai pas acheté, après ça a tardé, et je l'ai acheté que l'année dernière finalement, donc j'ai bien tardé. Pas la peine de vous dire en quoi consiste le jeu, si vous connaissez Life is Strange vous savez déjà. En gros c'est un jeu voilà, par épisode et vous avez des choix à faire. Voilà. Après la liberté de mouvement, je sais pas s'il y en aura autant que dans le 1, il y en a. Dans le 1 il y en avait beaucoup et on pouvait collecter beaucoup de trucs. C'est pour ça que ça rajoutait de la durée de vie. Après celui-là je sais pas. On va voir si c'est pareil. Donc ça a été développé par Deck 9 Games et édité par Square Enix. Sachant qu'avant c'était Dontnod. Donc je sais pas si Dontnod a changé de nom et est devenu Deck 9. Ou si ça a carrément changé de boîte. En tout cas Deck 9 maintenant c'est eux qui se sont chargés de Life is Strange 2 aussi je crois. Et ils se sont chargés de True Colors qui est sorti le 10 septembre, donc il n'y a pas longtemps. Mais lui, on va quand même, il va quand même attendre avant que je le fasse, puisque après celui-ci je dois faire Life is Strange 2, parce que je l'ai aussi, hein, je l'ai acheté. Donc il attend son tour bien sagement. Sachant que celui-là est un peu mieux que le Life is Strange 2, apparemment. Le Life is Strange 2 s'est fait beaucoup descendre par la commu. un peu partout, il s'est fait descendre, donc bah, on verra. On va profiter de celui-là avant d'aller sur le 2, du coup. Et il est dispo sur toutes les consoles, à part l'Xbox, apparemment. Donc, on va commencer avec... Ah oui, merde, j'ai oublié de remettre la musique, parce que je l'avais un peu baissée. On va la remettre là. Ah, ici, c'est bien. Alors, épisode 1, éveille-toi. Sachant qu'il y en a 5, non? Ah non, il y en a que 3. Ah bah oui, d'accord. Oui, il y en a que 3, et moi j'ai eu le DLC, du coup, qui s'appelle épisode bonus adieu. Sachant que ceux qui ne l'ont pas acheté avec le DLC, vous n'avez pas l'épisode bonus. Mais moi je vous conseille, si vous n'avez pas le jeu et que vous voulez l'acheter, bah, de l'acheter avec. Ça coûte pas beaucoup maintenant. Moi j'ai eu le jeu à 5€. Alors que c'est la version deluxe avec l'épisode bonus. Sachant que vous n'avez pas que l'épisode bonus avec le DLC, vous avez aussi la bande-son du jeu. Si vous voulez écouter les musiques. Ah, donc il n'y a que 3 épisodes, donc ça durera, il y aura moins de vidéos que le 1. Est un jeu permettant aux joueurs d'influencer l'histoire, oui. D'accord. Oui, on sait. Sachant que dans Life is Strange 1, j'ai pas fait des choix de merde. À part quelques fois... Ça commence bien, suicide. Toujours aussi taré. Vous vous souvenez c'est qui? I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yeah! Bah pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas fait le 1, c'est en fait on va jouer Chloé dans celui-là. Qui était la meilleure amie de l'héroïne du 1. Mais ça, comme ça se passe avant, ça va un peu plus nous. On va un peu plus connaître sa vie à elle en fait. Sachant que
Ceux qui ont fait le 1 connaissent exactement le style du perso, donc... No trespassing? No way. Ah, c'est ça le style du perso. I'll have to get through that door. Ah, ça va, on a la liberté de mouvement, ça va. C'est un peu comme le 1. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Ok. Dispute. Yeah, your problem. Not mine. On va pas se mêler, hein. If I do it here, someone will see me. Quelle délinquante, je vous jure. On veut taguer le camion alors qu'il lui a rien fait. Ah bah là, on ne voit pas, là. Non. Ah, ça a été marrant. Now what to draw? Bonbon gratuit. Bonbon gratuit. Ça fait un peu con, hein, du coup, à mettre ça. C'est plus marrant. Definitely, absolutely not a meth lab. Stylé. Le jeu vient même de commencer, fout déjà le bordel. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Parce qu'elle aime pas trop être chez elle. Guys need to get a room. Putain, je suis victime. Or not. Damn. Mind your own business. I understand, really. And it won't ever happen again, I swear. Il s'est mangé une gifle de cow-boy. Je vais lui péter la gueule, mec. Join a motorcycle gang. If I had any friends. J'ai pas d'amis. This band shred. Mais on va demander au mec, et s'il veut pas, bah tant pis. Il a une sale gueule. You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? À le faire changer d'avis, je sais pas. Bon, ce qui est bien, c'est que quand elle se parle toute seule, on a un espèce de... un espèce d'écho. If I had any friends. Nothing says badass like a nice floral print. Mais c'est lui. Ben, ça a l'air d'être sa bécane. Laisse-moi entrer tout de suite, il va dire non. S'en aller, ça fait victime. Donc, ta moto. Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee. Thanks. Is that all? This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Ouais, rien qui marche avec ce connard, putain. Never mind. Attends, c'est pas possible, il est imperméable. Il est imperméable, le mec. Et puis il voit derrière son dos aussi. Dites pas qu'il faut faire le forcing quand même. Parce qu'il n'y a rien à faire autour, donc c'est un peu bizarre quand même. Oh merde, vous allez faire... Vous avez lancé un défi insolence? What? Ouais, alors ça c'est nouveau quand même. Alors attendez.
En mode insolence, vous utilisez des arguments et des insultes pour pousser quelqu'un à faire ce que vous voulez. Ah d'accord. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Vous pouvez parvenir, faites bien attention à ce que votre adversaire vous dit. Puis je vais laisser une réplique qui lui renverra ses mots à la figure. Écoutez, normalement je suis fort pour casser les jambes, mais là, il n'y a pas de réponse qui font mal. Je pense qu'il faut mettre la A. Je vais mettre W parce que ça fait bien la meuf, genre, qui respecte rien. I don't sleep. It's for the week. Real cute. But I still don't know. Oui, d'accord. And you're not listening. Beat it. En l'occurrence, cours de récré est une bonne réponse à gamine. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. Girl like you, I can't protect you in there. A girl like you, with pretty flowers on her bicycle, shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Just look the other way. No one will know. Besides, people love me. I'm funny. Around here, funny people have a way of getting hurt. Relax already. You're flexing so hard, you're going to pop. Keep pushing me. See where it gets you. Oh, hey, Bowser called. He wants his jewelry back. No. Damon would probably get a kick out of you. Zeph. Who made you his bitch in prison? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yeah. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on. D'accord. Bon, je pensais que c'était perdu, hein. Il y a des réponses où j'étais trop sympa. Faut être violent, mais sans trop être violent. Enfin, faut être violent, mais les réponses sont pas violentes. C'est un peu dur de choisir. Bon, en tout cas, elle est rentrée. Les deux dernières réponses ont été les bonnes. Voilà. Hey, Delia, come. You dog. Bon, la question maintenant c'est est-ce qu'elle va accepter d'être rentrée? Ah, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus à l'intérieur. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. Ah, on le caresse pas, hein. Il est pas dressé. Il est pas dressé, on le caresse. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Oh putain, il y a Frank. No thanks. Alors pour ceux qui savent pas, Frank en fait c'était le bâtard dans le 1 à qui elle doit de l'argent. Que bah c'est à mon avis ici qu'elle l'a rencontré. Fikizone. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Fibouré, d'accord. Il y a tout ici, hein. Sober up, girl. That shirt is rad. $20, baby. $20? That's robbery. And don't call me baby. Fine. $20, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Je pensais que c'était possible. Thank you.
pas le prendre le couteau par contre. Oh, il est torché le mec. 300 dock workers laid off. Sit and spin. Attaque tout ce qu'elle voit. Hein, yo, Frank. Hey. Ah bah, est-ce elle connaissait déjà? Chloe. I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? The internet. How else? Seriously? Fucking kids. Là, tu peux rien cacher avec internet, hein. So, you come here a lot, or... Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Et pour la bœuf. Non, non, s'en bat les couilles. I'll see you later. On parle pas de la bœuf. Ça tire que des embrouilles. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Yep. My bad, dude. You don't know who I am. Ils sont pas lecs. Nope. Don't care either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Ça va péter. Pourquoi elle monte marche par marche en fait? Fuck yes! Finally made it! I can't believe it! Dans son délire. You spilled my beer, bitch. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Oh, si prudemment, cette action aura des conséquences. T'as plus sa grande gueule. Lost, no one gave its us. No one took us. Lost, so it was.
elle s'enfuit pour se retrouver. Il se retrouve devant le. Que font les parents de cet enfant? Bref. Ouais, donc. C'est vrai que j'ai oublié, elle était pote avec Rachel, celle qui est. Celle qui est disparue dans Life is Strange 1. Hein. Celle qui est. Je crois qu'elle est carrément morte hein, dans le 1. Ouais. Et justement, on cherche à savoir ce qui lui est arrivé, mais en fait, elle s'est fait tuer par le. Le tueur du 1, je crois. Qui était en fait le prof. Et en fait, il y a toute une histoire entre elle, Rachel et. Et justement Franck, en fait. C'est pour ça que Franck la connaissait bien. Après, je pense pas qu'ils vont mettre Max dans ce jeu, puisqu'elle la rencontre bien après. Enfin, je crois. C'est bizarre parce que j'ai pas touché le son, mais il y a des musiques plus fortes que d'autres. On dirait que le son a baissé. Là. Elle s'en filme pas qu'une dans la journée apparemment. En plus, fumer dans les chambres, c'est pas très bien. À ce qui paraît. En fait, les amis, on pouvait. En fait, c'était un truc qui tournait en boucle, je pouvais quitter depuis tout à l'heure. Je croyais que c'était une cinématique et j'attends moi depuis tout à l'heure. Sometimes, all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Daily rituals are important. Oh putain, ce qui a marqué. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Alors, ouais, t'as bien lu, je t'ai traité de loseuse, tu sais pourquoi? Parce que t'as pas vu Firewalk hier soir. Même Franck était là, c'est mon dealer. Maman, si tu lis ça, c'est mon dealer et tu n'es pas censé lire ça. C'est la plus belle soirée de ma vie, blablabla. J'ai suivi le chemin de fer jusqu'à... J'ai détruit verbalement la brutite videur jusqu'à ce qu'il me laisse entrer. Voilà. J'ai un beau cocard en souvenir, c'était les galouches dont j'ai détruit les chances de procréer. Ah, donc elle la connaissait déjà en fait. Hein. Apparemment. Max. Hey Dad, another day in paradise, right? Rolling, wakey wakey, edgy bakey. Last night, seeing Firewalk live, the skeevy assholes. Pas dû dormir beaucoup, hein, du coup. Girl, ça doit faire mal. Was that really Rachel Amber? Moi, je crois bien. Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Ah, on s'est pris un coup sur la gueule, merde. Tout le monde veut lui demander ce qui lui est arrivé. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Better living through chemistry. Elle a même tagué son calendrier. Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns died. On peut le déchirer carrément. Parce qu'il est tellement bien fait, ça serait con de le déchirer. Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. God was so proud of me for winning that stupid science fair. Ask Miss Arcadia. C'est dommage parce qu'elle est intelligente, mais bon, c'est une feignasse. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Il y a tout le monde qui parle en même temps là. C'est le groupe de la du bahut ça. Bon, on se casse. I should at least check out my dresser before. Ah oui merde, j'ai oublié. Ça va être vite fait. Ah ouais, le corbeau. J'adore les corbeaux. Tenue bonus. Tenue bonus encore. Je sais pas quoi prendre. Moi je prends le corbeau, désolé. C'est quand même le symbole de ma chaîne. J'ai juste envie de voir ce que ça donne les tenues bonus.
crâne d'oiseau, membre Square Enix. Ah, ok. Et là, on a Illuminati Deluxe, Punk Do. Ah, alors, il y a 4 tenues bonus, carrément. Putain. C'est pour ça que je vous ai dit d'acheter la Deluxe. Hein. C'est pas ouf, hein, mais... Ouais, elle a rajeuni de 2-3 ans, là. On va tester celle-là. Classique. Mais ce qui lui va bien. On va voir la dernière. Illuminati, là. Je sais pas si ça va être mieux ou pas. Ah! Ah, elle est pas moche, celle-là. Ah, là, du coup, c'est entre celle-là et la... Ah, je sais pas, celle-là, ça fait plus CT, quand même. Hein. Ok, bon, j'ai choisi. Ma préférée, c'était celle-là. Bon, quoique, ça fait un peu gamine, hein, quand même. Hein. Non, on va mettre l'Illuminati, c'est très bien. Ça fait son âge. Le coup de cul. I really should get going. Shit, where's my phone? Oh, putain, tu oublies à chaque fois un truc, c'est pas possible. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with mom's. A perdu son phone, hein. C'est malin ça. Okay, mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then figure out where the hell I left it. Par contre, elle a des épaules. C'est aussi balèze que les miennes. Comment ça, vous me croyez pas? Les fous, on voit rien. Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Ouais. Apparemment, tu vas le faire plus tard, te teindre les cheveux, hein. Vu qu'on a fait le jeu. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine. If I'm ever stupid enough to get married. Grade B? Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her engagement ring? Elle veut vendre la bague, bah tu l'auras pas du coup. I made this for mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure which of us would be more embarrassed. I hate that she hides all our old pictures of dad. Ah, vas-y, on va faire le fouille merde. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Elle va dire, mais pourquoi le cadre est ressorti, c'est bizarre. Oh. Ah, mom. Bad enough that David comes here for... J'aurais pas dû l'ouvrir celui-là. Vous avez rien vu. Faites comme si vous avez rien vu. How can mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Ah oui, je m'en souviens de David, c'est le mec à la moustache. Sans vouloir vous spoil, à la fin du 1, elle le déteste plus, en fait. Sounds like my phone is definitely nearby. Ah, ouais, on va le trouver, alors. Ah, c'est ici. Hein? Il est à côté des chiottes. There we go. Wonder how many calls I've missed. Comment t'as fait pour le mettre à côté des chiottes? C'est-à-dire qu'elle était aux toilettes avec le phone, d'accord. Qui fait ça? Elliot, un nouveau message. Meuf, c'est la troisième fois. Ok. Je suis rentré pour ton couvre-feu. Il y aura des répercussions. Oh, d'accord. Oh merde. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, yeah. Okay. Putain, toutes les darons y font les mêmes choses, hein, je te jure. I think I saw mom's purse in her room. Et toutes les darons qui font ça, je te jure. Elles te disent descends, mais te disent d'emmener un truc avec. No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. On fait exprès de prendre son temps. Oui. Coming, mom. Bon, on va s'arrêter des colorats. Peut-être après ce dialogue. Je sais pas si les épisodes sont longs ou pas.
Sachant qu'il n'y en a que 3, ils sont obligés de les faire un peu longs. Finally, you can put my purse on the dining table. You might still have time for breakfast if you hurry. De toute façon, que ce soit court ou pas, ça me dérange pas parce que j'ai payé le jeu 5 euros. Par contre, ceux qui l'ont payé à sa sortie, genre ils faisaient 20-25, si j'aurais voulu que l'épisode soit très long. Any letter from Blackwell is never good. Une lettre de Blackwell. Ah, venez, on l'ouvre. His mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Oh oh. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Oh oh. $550, putain, c'est des voleurs, les... C'est ça quand tu fais des études. Family pic used to hang here. I... Oh, c'est dégueulasse. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay... Soutenez nos vétérans, d'accord. En Amérique, c'est toujours comme ça. Haven't really felt like sitting down to eat since David started. Chloe, I don't have all day. Would you get over here? Comment elle lui lâche? I should see what Mom wants before she... Elle veut que tu bouffes, en fait. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs? It's not that I'm ungrateful. It's just that when your mom works in a diner, you're not always in the mood for diner-type food. Hey, Mom. You wanted to talk? Chloe, what happened to you? It's no big deal. I walked into a door. You seem to be walking into a lot of doors lately. Je me suis pris une porte. When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Putain, tout le monde dit ça, quoi. Je dormais, ce sont un peu de mytho quand même, parce qu'elle était pas là. Sorry. I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. Tu veux plutôt de la thune pour payer this? Les... You don't go in my bedroom when I'm not there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Moi j'ai jamais aimé l'école. Même quand j'étais petit, j'y allais juste parce qu'il fallait y aller. You do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe! You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, an old-fashioned dickhole. Un peu vieillot. Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, what are you gonna eat? I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. C'était pourri. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that- Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you, saying you're sick just so you don't get expelled? Il me semble que c'est ce qui va arriver. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Non, pas de David. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. David est un connard. On n'a pas besoin de le redire. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes
We need to make more room in our hearts for new people. And sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. Je vous ai dit avant, elle pouvait pas le voir. To school today. Very funny. You will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are you serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's not? Oh oh, c'est un choix qui aura des répercussions à chaque fois qu'il y a ça. Mom, I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient. But the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. Mm-hmm. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask. J'avoue, ça va te faire un deuxième trou de cul. Guess David likes pot roast. Guess we're all about what David wants. Oh. Elle est jalouse pour de la bouffe. Ils sont où ces putains de clés? Sean Prescott's son Nathan goes to my school. Là, c'est un bâtard. Sounds like the apple didn't fall far from the asshole. Why do I suddenly want to get some fireworks? This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, you're poor and in trouble. Vous êtes pauvre. Comme s'il allait dire ça. C'est pas comme ça que ça se secoue. Little dude's like, what the hell just happened? Normal, t'as secoué comme une tarée. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ces clés. I made that ashtray for Mom's keys only. Here they are. Let's get these to David so he can drive away. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. We better get going. Mais comment elle a pris les clés? Oh merde. Il y a un message. Salut Chloé, c'est Steph Gingrich. J'ai ton DVD, tu peux passer le prendre avant les cours. Merci. Ah, Steph, elle est plutôt jolie. Il y a que des belles meufs dans ce jeu. Encore beau. Quelle tête de merde. J'avais demandé la voiture ou le mec, justement. Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Il a la tête en carré. C'est bizarre. Chloe, is that a black eye? No. Insubordination. No wonder your mother's worried about you. Oh, that's sweet. When I was your age, I got into my share of scraps. But it's not responsible. You owe it to your mother to do better. Tell me again what I owe my mother, dirtbag. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites. Did you not hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. Oh putain, encore un truc à faire pour lui, quoi, sérieux. Hein? On lui ramènera la prochaine fois. Je sens qu'elle va s'amuser à faire le chemin avec lui. Bref. Donc on va pouvoir revoir le bahut. On a vu dans la saison.
J'allais dire la saison 1, dans le premier jeu. Bref, de toute façon, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à me chier que vous abonnez si pas déjà fait. Et puis moi, je retrouve le vendredi pour Eminence Game. Et je vais essayer de faire la vidéo d'Emerge aussi. On verra. Peut-être ce week-end, elle va sortir. Donc, sur les gens, on dit ciao.